aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 novembre. Et nous allons à l'orthodontiste. L'orthodontiste, il est 8h-10. Et on va se préparer pour aller chez l'orthodontiste avec Evan et moi-même. Puisque Evan aura obligatoirement besoin d'un appareil et puisque... Vas-y, monte tes dents. Parce que si vous voyez les deux dents qui ne poussent pas à côté, en fait, il n'a pas assez de place pour qu'en fait elles poussent. Elles sont en dessous, hein, forcément. Mais elles ne poussent pas parce qu'elles n'ont pas assez de place. Donc il va devoir avoir un genre de palais, vous savez. Normalement, en fait, c'est la dentiste qui nous a dit ça. Après, on va voir avec l'orthodontiste qu'est-ce qu'elle va dire. Enfin, qu'est-ce qu'il va dire? Je crois que c'est un monsieur. Docteur Ménard. Docteur Ménard, ouais, c'est un monsieur. Et du coup, moi, pour mes dents du bas. les dents du bas, les dents de l'horreur, entre guillemets. Non, parce qu'en fait, j'avais un appareil quand j'étais plus jeune. Mes problèmes, c'est que les dents en bas, en fait, étaient super alignées quand on avait fini l'appareillage. J'avais quand même 2 ans d'appareillage. Maman. Attends, Minet. Et du coup, quand il m'a enlevé les bagues, il m'a mis un, vous savez, un fil derrière, là, vous savez, en métal, là, pour soutenir et pour pas que ça bouge. Le problème, c'est que ce fil-là, le jour même où j'y étais, c'était barré. Au premier croc, en fait, c'était barré. Donc on l'avait appelé parce que c'était pas à côté, hein, notre orthodontiste à l'époque. Donc on l'avait appelé, il nous avait dit non, c'était pas utile de revenir, machin tout. Ça restera comme ça. Eh ben non, puisque mes dents de sagesse ont poussé et ça a tout poussé à l'intérieur là. Donc tout s'est déplacé et c'est une horreur. La dent qui part en latte là, elle me fait extrêmement mal. Des fois je me mords les lèvres avec, c'est une horreur. Donc autrement dit, hors esthétique, déjà c'est pas jojo du tout et je fais de plus en plus une fixette sur ces dents du bas parce que quand je parle on ne voit que ça. Mais ça fait aussi très mal quand je me mords dessus, c'est une horreur et puis après ça gonfle au niveau de la morsure donc du coup ça remord dessus, etc. Enfin bref, c'est une histoire sans fin. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Et même tes dents en travers. Hein? Mais oui, ma dent de travers, j'étais en train d'en parler, ma dent de travers. Et juste pour info, elle fait flipper avec ses dents. Merci. De rien. Tu crois que tu fais pas flipper avec tes deux trous là et tes dents de lapin? Bah. Hein? Qui lapin? Enfin bref, on va vous laisser là et on vous retrouve tout à l'heure. Bye bye. Allez, c'est parti, il est 8h32. On va déposer Nono d'abord à l'école. Il fait super froid ce matin, il fait seulement 5 degrés presque. Donc ça réveille. En plus de ça, on est un petit peu à la... Enfin non, on n'est pas trop... Non, on n'est pas à la bourre, mais j'aimerais... L'école de Nolan ouvre à 8h35, donc j'aimerais vraiment être à l'ouverture pour le déposer, pour qu'on puisse filer direct chez l'orthodontiste, parce que on a rendez-vous à 9h. Et le problème c'est que... Apparemment il y a des bouchons. Eh oui, avec tous les blocages et tout, il y a pas mal de bouchons partout. Donc bon, j'ai pas envie d'être en retard, merci. Putain mais elle se recule pas quoi, merci. Donc j'ai pas envie d'être en retard, donc on se speed. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, il est 9h48 et on vient de sortir de chez l'orthodontiste. Donc comment vous dire qu'on va avoir du boulot? Que ce soit pour mes dents et pour les dents d'Evan. En fait, Evan, il va... avoir un appareil. Ouais, il va avoir un appareil. Il a fait les empreintes. Enfin, c'est les empreintes que t'as fait, toi? Mais je sais pas. Parce qu'en gros, en fait, quand elle nous a traité moi et Evan à part. Donc, du coup, moi, j'ai pas vu exactement ce qu'elle faisait avec lui. À un moment donné, il est parti faire des radios. Il est revenu, il est reparti. Enfin, bref. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, oui, ça, c'est sûr qu'il va être appareillé parce qu'il a vraiment pas beaucoup de place pour que, comme je vous ai dit, pour que ses dents définitives sortent. Donc on a rendez-vous, enfin moi j'ai rendez-vous du coup le 15 janvier je crois, enfin je l'ai noté, pour le bilan, pour m'expliquer ce qu'elle va lui faire. Du coup en fait c'est pas un orthodontiste, c'est une orthodontiste, c'est une femme. Donc pour m'expliquer ce qu'elle va lui faire, etc., etc. Et en fait pour moi, elle va en fait tout simplement m'enlever cette dent donc, celle-là là. Ouais. Et elle va m'aligner les autres. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurai pas de bague. Elle m'a dit qu'elle va faire ça avec les gouttières. Donc nickel, j'aurai pas de bague. Mais par contre, ça risque de durer entre 1 an et demi et 2 ans quand même.
Et puis c'est pas donné, c'est vraiment pas donné. Quand j'ai vu les tarifs, quand elle m'a fait le devis, j'ai cru tomber à la renverse. Mais bon, on va voir avec la mutuelle comment ça se passe. Et puis bon, ils font quand même des facilités de paiement, mais bon, franchement, ça fait cher. Franchement, ça fait vraiment vraiment cher. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas si ça dépend de ce que la mutuelle me prendra. Si elle me prend vraiment rien, je pense que malheureusement, je vais pas pouvoir le faire. Parce que le mec, il me regarde trop bizarre parce qu'on parle. On parle au téléphone, tu sais, dans la voiture. Ouais, non, si franchement, si la mutuelle me prendra rien en charge, je pense que je vais pas pouvoir le faire, malheureusement. Parce que ça fait vraiment, vraiment, vraiment cher. Je vous montrerai le devis tout à l'heure. Et bah là, vu qu'on a le temps, il est à peine, il va à peine être 10 h, on va aller vite fait faire un tour à Kaby. Et il faut qu'on regarde pour une paire Non, s'il de. te plaît, oh là, il y a des vêtements Harry Potter. S'il te plaît, On j'ai verra, on pris. verra. Ouais, merci. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on est arrivé à la maison. J'ai eu deux petits colis dans la boîte aux lettres. Ça, c'est, je pense, AliExpress. Je vais l'ouvrir tout à l'heure. Mais en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Kiabi et à la Halle. On est allé, donc, ouais, Kiabi, Halle. Et comment ça s'appelait pour les chaussures? Chaussea? Chaussea. Voilà, et donc, bon, premièrement, à la Halle, Evan, il voulait absolument un t-shirt Harry Potter. Et je trouve trop bien réussi celui-ci. Et C'est un derrière, il y a t-shirt marqué Dobby. Dobby sera toujours là pour Harry Potter. Voilà. Il Avec coûtait lui. 10 euros. Je trouve ça encore assez raisonnable malgré tout. Mais non, je trouve sympa. Après, bon, c'est juste un t-shirt à manches longues. Hein. Mais le Dobby. motif, ouais, le motif est sympa, je trouve. Mais il me semble que c'était au rayon fille. Je suis pas sûre, mais. Non, c'était au rayon garçon. Non, c'était pas au rayon garçon. C'était au rayon fille. Le problème, c'est que je sais pas si c'était un rayon mixte qu'ils avaient mis au rayon fille. Ou si c'était un rayon spécialement dédié à Harry Potter qui est donc mixte, je sais pas. Mais en tous les cas, bah ça lui va bien, ça a pas une coupe de fille quoi, le t-shirt. Donc bon, bah il l'a pris, de toute façon ça fait pas fille. Hein. Ça fait pas femelle. Voilà, celui-là était à 10 euros. Ensuite, donc on est allé à Kiabi et ça fait un moment que je craquais sur ces pulls là, les nouveaux de la nouvelle collection là. C'est des pulls en édition limitée chez Kiabi. C'est des suites en fait. J'en ai pris un pour moi qui était donc à 10 euros. Je l'ai pris en taille S parce qu'ils sont quand même assez larges. À la base, je voulais la couleur vieux rose qui était magnifique, mais en fait, c'était pour les femmes enceintes. Donc voilà. Donc ce n'est pas mon cas. Et là, il y a marqué la vie. Comment c'est quoi le truc? La Felicida Mickey d'Abier. Ça veut dire quoi? Félicita. C'est pas parce que je suis bon en anglais que je suis bon en toutes les langues, hein? Attends, mais si, Si, mais je le savais en alors, plus. Félicida, ça veut dire félicite, je crois. Non, il me semble que c'est pas ça. Et Félicida. parce qu'ils avaient le mot, enfin la phrase en français. Me va si bien. Ah, le bonheur me va si bien, il me Ah semble. oui, le bonheur me va si bien. Le bonheur me va si bien, il me semble. Bon, vous me corrigez s'il y a des Italiens par là. C'est italien, Non. Non. Mi chieda bien. Bien. Non. La felicidad me queda bien. Non, c'est espagnol. Espagnol, je suis pas sûre. Espagnol. Bon bref, dites-nous en commentaire. Ah mais il me semble que ça. Donc je l'ai pris donc en moutarde, ma couleur. Et j'en ai pris un pour Evan. Puisque Nono il a plein, il est blindé de pulls lui, donc j'en ai pris un aussi pour Evan. Cela était à 7 euros pour enfants, donc ça valait Ah, vraiment. Franchement le coup ils sont comme ça à l'intérieur, vous savez, molletonnés comme ça. Et avec marqué Happiness en camel. Voilà. Je trouve trop beau aussi cette couleur. Elle est sympa. Ensuite, chez Kiabi, il fallait absolument des paires de chaussettes pour les garçons. Donc j'ai pris le lot de 5 paires pour Evan. Comme ceci, avec des petites têtes de mort. Voilà. Elles sont très sympas, je trouve. Ça, c'est pour Evan. Et pour Nono, j'ai pris celle-ci. Des nounours. Des petits nounours, ouais, ils sont mignons. Il y en a aussi 5 pour 6 euros. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix aussi, 6 euros là. 6 euros, 6 euros. Et 6 euros, ouais. 5 pour 6 euros, bon, ça va, ça vaut le coup. Et pour terminer, à Kiabi, on a pris également. Ah non, c'est pas pour terminer parce que j'ai pris encore autre chose. Pour Nono, un petit t-shirt à manches longues, col roulé, vous savez. Voilà, pour en dessous des pulls ou même comme ça. Je ne sais pas pourquoi, il est tout. Ça. Et pour la Ninette, j'ai trouvé ça, des petites pinces. Pour 2,50 € mais elles étaient à 40%, donc il y en a une kaki et une un petit peu effet léopard rose. Et là il y en a deux, non, hein, mais je lui en ai fait déjà porter une.
Elle est trop belle avec, je trouve, le bleu marine. Je trouve que ça lui va trop bien dans les cheveux. Avec... Non, Nini! Ben voilà, maintenant qu'on lui a montré, elle veut l'enlever. Je trouve que, ouais, comme je disais, le bleu marine dans ses cheveux rouquinettes, là, ça lui va trop bien. Donc, ouais, j'ai pris ça. C'était aussi à 2,50€, moins 40. Voilà, et j'ai oublié de vous montrer à la halle. J'ai également pris ce petit sac à main. Voilà, il se détache là avec des boutons de pression. Là aussi. Mais voilà, il y a deux pochettes. Je trouve la couleur très sympa là pour les fêtes. Donc j'ai pris celui-là. Par contre, c'était pas donné. Il était quand même à 19€. En fait, je me suis pas rendu compte. Mais c'est vrai qu'arrivé après, en réfléchissant dans la voiture, je me suis dit putain, en fait, 19€ quoi. Mais bref. Et une petite paire de chaussures pour la Ninette. C'était à 28€ en taille 20. Il lui fallait absolument une paire de chaussures puisqu'elle n'en a aucune. Voilà, tout simplement. Elle était en chaussettes depuis là, mais bon, avec les 6 degrés qu'il y a en ce moment, il lui fallait absolument une paire de chaussures. Et voilà, on a trouvé celles-ci. Mais elles sont trop belles. Elles sont toutes fourrées. Elles sont comme ça, en fait, à l'intérieur aussi, toutes fourrées. Et voilà, et elles ont le petit truc là. Et elles sont effet pailleté. Mais effet pailleté holographique, en fait. Quand il y a la lumière dessus, ça fait un petit peu effet... ouais, holographique, je trouve ça trop trop beau, vraiment. Voilà, donc j'ai pris ça. Ça, c'était à Chaussea, c'est ça? Oui, Chaussea. Chaussea, voilà. Ah, et j'allais oublier ces paires de gants. Il y en avait, je les ai achetés à Kiabi. Il y avait ces deux paires de gants, en fait, les deux pour 3€. Là, ça vaut vraiment le coup, les deux pour 3€. Donc, du coup, bah, il y en aura une paire, la kaki pour Nono, ici présent, et la grise que Evan a choisi. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, on va ouvrir les colis. Et donc, ce que j'ai eu d'AliExpress, c'est ça. C'est une perche que je voulais pour mon appareil photo. Parce que c'est vrai que je galère un petit peu quand je suis face cam. Du coup, j'ai pris une perche le 11 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 21 et c'est déjà arrivé en 10 jours. Donc, c'est super rapide. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Je n'ai pas payé cher. Je crois que j'ai payé 6€. Voilà. Bah, quand il y avait les promos, par contre, hein. Parce que je ne sais pas du coup à quel prix elle est. Mais voilà, c'est une perche. Vous pouvez l'agrandir également. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais voilà. Bon, du coup, il est 2h-20. Et je voulais vous montrer l'autre colis de chez AliExpress que j'ai reçu. C'est en fait également une commande que j'ai passée le 11 novembre. Qui valait vraiment le coup. Puisque la carte SD de 64 Go était seulement à 23€. Voilà. Et donc 4K, Full HD, machin ça. Donc voilà, écoutez, on va essayer. Je vous dirai si ça vaut vraiment le coup d'acheter des cartes SD sur Amazon, sur AliExpress ou pas. Voilà, il y avait quand même une sacrée différence de... Bon, du coup, je voulais rapidement vous reparler de ce qui s'est passé ce matin pour moi, pour l'appareil. En fait, je crois que je vous ai pas dit, mais en fait, c'est un traitement Invisalign. Et je savais pas du tout en fait qu'elle allait me proposer cela, puisque moi, je pensais être baguée, vous savez, comme avant, quoi. Mais non, là, elle m'a carrément proposé un traitement, voilà, Invisalign. Et donc, ouais, comme je vous ai ça dit... Ça coûte plus cher. Hein? Ça coûte plus cher. Non, justement, les bagues, ça coûte plus cher que ça, apparemment. Ah bon? Mmh. Ouais, et donc, comme je vous ai dit, c'est pas donné. Donc, ça vaut, avec tout, ça vaut 3 400€. 3 460. Pour être précis. Et donc j'ai envoyé le devis à ma mutuelle. C'est pas mon bébé. J'ai envoyé le devis à ma mutuelle. Donc voilà, il voulait vous montrer son petit t-shirt. Mais toi, je te l'ai déjà. Toi, je l'ai montré derrière, déjà. Mais derrière, il n'y a pas. Ils ont pas. Mais si, je l'ai montré quand je l'ai présenté. Voilà. Donc je disais, oui, j'ai envoyé le devis à ma mutuelle, j'attends une réponse, je vous en reparlerai, je pense, au moment voulu. Mais je suis vraiment très, je commence à vraiment être très complexée en fait par mes dents du bas. Là, la dent du haut, d'ailleurs ça je vous ai pas dit non plus, mais j'ai eu un rendez-vous chez le dentiste et je vais me faire poser une facette. Ça y est, j'ai eu la réponse de la mutuelle. Et en fait, ils me prennent en charge quand même pas mal. Donc en fait, en gros, il me reste 160
euros sur les 600 euros de prestation. Donc pour 160 euros, c'est clair que je vais le refaire. Donc en fait, elle va simplement me mettre une facette à la place de celle-ci. Donc en fait, c'est une dent qui a été dévitalisée. Quand j'étais jeune, je suis tombée dessus. Et en fait, à fur et à mesure, bah, on l'a jamais dévitalisée. Et au bout d'un moment, ça me faisait abcès sur abcès sur abcès sur abcès. Donc j'ai dû malheureusement la faire dévitaliser pour être tranquille et pour plus avoir d'abcès. Descends, descends. Donc c'est pour ça qu'en fait elle commence à foncer, à devenir un petit peu brun. C'est parce qu'elle est dévitalisée, donc forcément une dent morte, elle va pas rester blanche. Donc voilà le pourquoi du comment. Et donc là à la place, donc comme je vous ai dit, elle va mettre une facette. Donc on verra plus rien, elle sera toute blanche, toute alignée, etc. Je suis trop contente de ça. Donc là j'ai essayé de l'appeler pour prendre un rendez-vous, etc. Bon, elle est pas ouverte le mercredi, donc c'est pas grave, j'appellerai demain. Et donc voilà. Donc voilà, bon, mes dents, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot au niveau de mes dents, je ne suis pas gâtée. Hein. Pourtant, comme je vous ai dit, j'avais eu un appareil dentaire avec des bagues pendant 2 ans étant jeune. Mais en fait, avec les dents de sagesse qui ont poussé et tout, ça a tout décalé, c'est une horreur. Bref. J'allais oublier de vous montrer cette beauté que j'ai reçue hier. C'est le calendrier de l'Avent Nux. Donc je l'ai reçu de la part de la marque. Et je suis tellement contente d'avoir pu le recevoir, quoi. Je vais pas regarder à l'arrière parce qu'il y a marqué tout ce qu'il y a, mais en gros, et ben, il y a 24 surprises et il y a aussi du thé, des infusions, quoi, de la marque Love Organic, et j'adore cette marque. Et regardez comme il est gros. Voilà, je l'ai pas encore ouvert, hein, vous le voyez, hein. Exprès, je l'ouvre pas pour pas être tentée de le regarder à l'intérieur. Mais voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir pu avoir la chance de le recevoir, puisque comme je vous ai dit, j'ai commandé 2 calendriers de l'Avent avec mes sous moi-même, et donc finalement j'aurai quand même un calendrier de l'Avent de beauté. Donc je suis trop contente, et Nux, une de mes marques favorites. Voilà, et le calendrier, je le trouve vraiment trop joli. Voilà, j'ai envie de vous l'ouvrir quand même pour que vous voyez l'intérieur. Bon, on va l'ouvrir quand même. C'est Nono qui m'a aidé à l'ouvrir, hein. Je fais ça pour vous parce que franchement, je voulais le laisser fermer parce que je serais trop tentée de, vous savez, de regarder les cases. Mais bon. Ah. Wow, il est beau. Déjà, c'est mélangé. J'adore. Il est vraiment trop beau. Comment? Ah oui, c'est mélangé, oui. Mais la 24, elle est là. Purée, elle est petite, la 24, comparée au 16, par exemple. Ou au 14. Ou même au 19. Ouais, mais peut-être que c'est quelque chose de... Attends, on appuie pour voir. Ouais, ça a l'air dur. Non, non, arrête. Vous allez l'ouvrir. Bon, ben voilà. Je voulais ouvrir pour vous. Et la première, elle est où, la première qu'on se jette déjà? Ah, voilà, là, ce sera là. La 2, elle est grosse aussi. Ah, la 2, ouais, elle est grosse. Le 23. Bon, voilà. Je vous ai montré l'intérieur et je suis tellement pressée maintenant, ça y est. Allez, Ginette, vas-y. Roule. Allez, vas-y. Mets ta culotte, c'est moi qui pilote. Non, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Allez, Ginette. Clignotant, Ginette. Allez. Bon, on est chez l'orthophoniste, comme d'habitude on attend. Evan, il a pris sa PSP, c'est pour ça que vous entendez ce bruit-là. Ah, Nini, j'ai dit non pour la pince, on la laisse dans les cheveux. Bah oui, c'est mieux, le mettre. Là, vous avez vu cette petite chaussure? Trop trop belle. Elle lui vend trop bien en plus. Allez Ginette, vas-y, roule. Cette fois-ci, j'ai fait du camembert au four. Pour moi, j'ai rajouté des petites noix concassées avec du miel. Monsieur, il voulait rien. Donc voilà, nature. Et donc, les pommes de terre sont en train de cuire. Là-bas, voilà. Et voilà, du coup, c'est prêt. Comme je vous ai dit, le miel a bien fondu. Les noix qui ont l'air trop trop bonnes. Pommes de terre, jambon et un petit peu de chou de Bruxelles. Voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Enfin. 9h-10, ça fait un petit moment en fait que je suis dans la chambre, mais j'ai pris le temps de souffler parce que je... En fait, j'ai pas arrêté aujourd'hui, j'ai fait que d'aller à droite à gauche, courir, les enfants, tout ça. J'avais juste une heure cet après-midi quand la petite était au lit, parce qu'en plus elle a pas fait une grosse sieste. Ça, je vous l'ai pas dit. Ensuite, je suis retournée à Kiabi parce qu'en fait, j'ai échangé mon pull que j'ai acheté ce matin
le moutarde, parce qu'en fait je l'ai pris en S, je m'étais dit bon, ça va, mais en fait je suis pas à l'aise dans le S, je suis pas du tout à l'aise, donc j'ai pris du M. Au moins je suis tranquille. Et puis moi j'aime bien en fait mettre les suites avec une chemise en dessous et faire ressortir le col et les manches, vous savez. Donc du coup, bah, avec le S, quand je mettais une chemise en dessous, ça faisait un petit peu trop serré. Enfin, c'est même pas que ça faisait être serré, mais j'étais pas à l'aise, quoi. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris du M. Et autrement, bah, j'espère que autrement le vlog vous aura plu. Je vais pas blablater 100 ans, parce que je crois qu'il va durer 100 ans sinon le vlog. Et comme d'habitude, bah, je me suis fait mon infusion. J'ai fait l'infusion Clipper à la vanille saveur fraise. Comme d'habitude, excellent celui-là, il se boit comme ça. Et je vais faire ma lecture encore. Je vais continuer mon livre. Je suis presque à la fin. Et ça y est, j'ai découvert leur secret. Donc là, je suis à fond dedans, à fond. Voilà. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!